La fluidité de la circulation a pris un grand coup ces derniers jours sur la route nationale numéro 1 entre Mankamba et le rond-point Ister. Une situation visiblement liée au très mauvais état de la chaussée sur ce tronçon. Des nids de poules qu'on eût dit des cibles d'impact d'obus de taille inquiétante rendent difficile la circulation. Au regard des plaintes des usagers de cette route, notre rédaction, tout comme les automobilistes, s'est interrogée sur la responsabilité des pouvoirs publics dans la réhabilitation de cette route. Est-ce l'affaire de la mairie de Pointe-Noire? Est-ce l'affaire des grands travaux? Ou encore celle de la Congolaise des routes? Innocent Emer Makundi, directeur des équipements et des travaux urbains de la ville de Pointe-Noire, répond. Vous savez que la route dont vous faites allusion, c'est une route nationale. C'est la route nationale Pointe-Noire-Brazzaville. La direction pour laquelle j'ai la charge, son rôle, c'est d'assurer l'entretien, entre autres l'entretien routier. En toute logique, dans nos travaux d'entretien, nous aménageons toutes les voies. Ici, il n'est pas question de dire qui a la responsabilité, qui n'a pas la responsabilité. Il revient également sur les travaux de réhabilitation qui viennent d'être engagés par la mairie. Et d'ailleurs, à l'instant où nous sommes en train de parler, cette journée, nous avons une équipe qui a travaillé là-bas et qui va continuer à travailler demain et après-demain. Et nous osons croire que dans moins d'une semaine, on parlera de ce problème au passé. Toutefois, les Congolais ont perdu la culture du bon pionnier qui consistait à accomplir sa tâche jusqu'au bout. On a tendance à commencer et à ne pas terminer. Or, administrativement et professionnellement, un travail fractionnel ou partiel est une faute.